Mais ben merci Laurence et merci Hervé de me donner la parole. Merci pour cette question de la Lutte PACA. Donc du coup, on va essayer de voir ce thème aujourd'hui, le thème de l'intérêt des patrons moteurs pour le développement athlétique. Je remercie à tous d'être là et particulièrement à Michel Masseglia, qui a voulu faire un petit coucou, hein, qui est mon ancien professeur à l'UFR Staps. Voilà, un grand coucou à ce qu'il était quand même dans l'équipe technique régionale aussi. Voilà, donc je me présente rapidement. Donc, je suis à l'US Cagnes Athlétisme. J'étais à Cannes avant, quand j'étais athlète. Et maintenant, je m'occupe. Et donc, du coup, entraîneur à Cannes, Cagneux, Cagneux-sur-Mer, l'US Cagnes. Et je m'occupe principalement des épreuves combinées et j'ai aussi un groupe de sport. Donc, je m'occupe bien des jeunes. Donc, je connais bien la problématique des jeunes, il n'y a pas de souci. Des jeunes, je parle de Benjamin, à partir de Excuse-moi David, c'est juste au niveau du son. Il y a un petit, parfois on t'entend moins bien, donc je ne sais pas si tu peux te rapprocher peut-être de ton micro ou parler un tout petit peu plus fort. Ok, je vais. Et si je parle un peu plus fort comme ça va là? Oui, parfait. Ok, alors c'est parti, j'envoie. Je présente mes deux entreprises que je fais à part le développement athlétique. Donc, du coup, j'ai All About Performance et la société Biathlétique, qu'on peut voir ici. Donc, deux sociétés. La société All About Performance, je suis le seul, je suis seul dedans. Donc, du coup, c'est une société dans laquelle je fais ma préparation physique et mes thérapies. Et Biathlétique avec Loïc Gambardella. Loïc Gambardella qui va s'occuper aussi, quand on s'occupe de personnes, de la thérapie, des soins, de l'aspect médical. Et je dois vraiment une grande partie de cette connaissance, de ce que je vais vous présenter, grâce à Loïc. Si vous voulez me rejoindre sur mon Instagram, donc vous avez le code barre là. Si vous voulez le scanner, me rejoindre sur Instagram. Voilà. Donc, on va partir sur le petit partage d'écran pour que je vous présente le PowerPoint. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Tout le monde a bien son partage d'écran, c'est bon? L'intérêt des patrons moteurs pour un développement athlétique performant et sain? C'est bon, David. Ok. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc, en plusieurs temps. Donc, introduction, on verra ce qu'est la posture. Ensuite, le concept initial avec l'alternance des fonctions. Après, on verra comment créer une trame pour l'échauffement. Enfin, pourquoi la posture n'est jamais acquise, pourquoi il faut tout le temps la travailler. Après une partie théorique, vous allez pouvoir sortir votre petit tapis de sol et puis on verra ensemble comment on peut faire un échauffement à partir de ce que je vais vous proposer. On verra quelques troubles classiques, quelques pathologies classiques. Et enfin, je vous présenterai mon échauffement pour que vous puissiez voir très concrètement ce que je fais et ce que je peux proposer. Alors, éventuellement, la perspective par la suite, ce sera de voir comment on utilise les patrons moteurs pour vraiment coacher le sprint. Voilà, donc là, je sais qu'il y a un petit peu du texte. Alors, c'est une formation qui est sortie en fait d'une formation qu'on fait avec Biathlétique, qui dure normalement à la base 24 heures. Donc, la formation entière est bien plus longue que ça. Et là, donc je vais vous présenter quelque chose en 1 heure, 1 heure et demie. Donc, il va falloir vraiment, je vais raccourcir énormément ce que je fais. Donc, l'idée, c'est de partir de la posture pour aller vers le mouvement. Un mouvement, c'est une posture vers une autre posture. Si vous n'avez pas une bonne posture, vous n'allez pas pouvoir bien bouger. La question, le problème de si on n'a pas une bonne posture, du coup, on va mal bouger. Et pourquoi un mouvement incorrect serait mauvais? C'est comme un vélo. Je prends la métaphore du vélo. Si votre corps est mal réglé, si votre vélo est mal réglé, la roue est voilée, le pédalier est mal réglé, il est tordu. Le vélo va s'abîmer. Il va rouler moins vite, il va être moins performant, mais en plus, il va s'abîmer. Donc l'idée, c'est que tout ce qui est dans le corps doit fonctionner correctement dans sa fonction. Tout a une fonction et doit être utilisé dans sa fonction pour ne pas s'abîmer.
Et là, c'est tout le sujet en fait de ce que je vais vous proposer, c'est de faire en sorte de bien faire fonctionner son vélo, bien régler son vélo, pour que derrière, vous puissiez bien faire fonctionner votre corps et ne pas vous blesser, de un, mais aussi être plus fort. Alors, on va partir, je vais poser cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger une posture? Pour cette question, réponse A, rien, le corps aime troller, c'est-à-dire pourquoi le corps il est tout tordu? Pourquoi il se met dans cette posture? Pourquoi il part? Pourquoi il se met dans une posture fausse? Il pourrait très bien rester droit. Pourquoi il part? Non. On peut se poser cette question. Alors, une posture ne peut pas se corriger, peut-être. Je pose la question. Pour corriger une posture, il faut enlever des tensions. C'est-à-dire, si j'ai une épaule, par exemple, droite, qui est plus basse, hop, je vais tirer d'un côté, hop, ça va enlever la tension, et je vais faire monter l'épaule. Ou alors, je peux renforcer les zones faibles. Donc, pour faire monter l'épaule, ben, je vais renforcer l'autre côté pour faire monter l'épaule. Donc, il y a cette alternance, en fait, créer une tension, enlever une tension et renforcer des zones. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger la posture? Et quatrième solution, la réponse D, pour corriger la posture, eh ben, il faut une proprioception efficace, c'est-à-dire faire en sorte que le corps sache où il est. Est-ce que vous pensez, si le corps sait qu'il est tout tordu, pourquoi il reste dans cette position? Pourquoi il n'irait pas bien fonctionner? La réponse est, c'est peut-être que, en fait, le corps pense qu'il est tout droit. En tout cas, pour corriger une posture, il faut s'enlever cette idée de la tête. Ne faire que des étirements, c'est pas la bonne solution. Il va peut-être falloir renforcer et peut-être falloir donner une bonne proprioception, c'est-à-dire donner au corps l'information qu'il est dans la bonne position. Et si vous voulez donner au corps l'information de la bonne position, il va falloir travailler les capteurs sensoriels. Le sensoriel sera à la base de tout. Si vous voulez, par exemple, avoir l'endurance tout en haut de la pyramide, il va falloir déjà faire en sorte de bien prendre l'information, tirer mes pieds au sol, bien avoir le regard à l'horizontale, pour qu'après, j'ai une bonne posture. Donc, si je ne perçois pas mon environnement, je ne pourrai pas avoir une bonne posture. Donc, si déjà on voit mal, on a un défaut de prise d'information au niveau de l'œil, au niveau de l'oreille interne, au niveau de la mâchoire, au niveau du pied, donc j'ai cité les principaux capteurs, avec aussi les capteurs à l'intérieur des articulations, on ne pourra pas avoir une bonne posture. Donc, considérer la posture, en partant du postulat qu'il faut juste considérer le muscle, renforcer, étirer, sans prendre en compte le système nerveux, le cerveau, les capteurs sensoriels, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil et passer à côté d'énormément de choses. Donc, est-ce que je prends bien l'information? Première question. L'idée, c'est de bouger après. Est-ce que j'ai une bonne posture? Est-ce que j'ai un bon schéma moteur? Est-ce que je bouge bien à partir de cette posture correcte? Peut-être que je crée mal mes mouvements. Donc là, ça va être vraiment tout le sujet de ce qu'on va voir. Et à partir de ça, on va pouvoir faire de la préparation physique, augmenter notre force, notre vitesse, notre raideur, notre amplitude, et après rajouter de l'endurance dessus. Donc au final, je prends l'information, j'ai une bonne posture. Si je n'ai pas une bonne posture, je ne peux pas créer un mouvement efficace. Et si je n'ai pas un mouvement efficace, pourquoi entraîner à aller plus fort, plus vite? Déjà, s'entraîner à créer un mouvement correct avant de créer énormément une force et une vitesse très importante. Ok, Hervé, est-ce qu'il y a des questions maintenant? Vous pouvez envoyer vos questions à Hervé. Voilà, en fait, si vous les postez à tout le monde les recevra. Et je peux les donner à David. Pour l'instant, bon, je n'ai pas de questions. Ok.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous servir de la discussion Ok, alors que vous avez en bas de l'écran. sur un petit exemple, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont réagir et donner d'autres questions. Le directeur de Franck Ribéry contre Domenech. Donc avant, à une époque, donc Ribéry, je pense qu'il était gaucher de pied et on le mettait tout le temps à droite, sur l'aile droite, et il était très bien. Et Domenech a voulu le mettre de l'autre côté, sur l'aile gauche, parce que du coup, il était gaucher de pied, sauf que ça n'allait pas du tout. Donc il y a eu un affrontement entre Franck Ribéry et Domenech sur ce sujet, parce que Ribéry sentait qu'il était mieux à droite, malgré le fait qu'il était gaucher de pied, et Domenech voulait le mettre à l'aile gauche. Et Ribéry n'a pas été performant, du coup, de l'autre côté. Par rapport pour Domenech. Et du coup, pourquoi? Ben Domenech, il a considéré tout simplement le corps de Ribéry, c'est-à-dire il avait son pied gauche, sauf qu'au niveau sensoriel, il prenait l'information avec son œil gauche. Il voyait mieux le terrain avec son œil gauche. Donc du coup, il faut bien considérer pour être performant la prise d'information sensorielle. Malgré le physique qu'il avait Ribéry, c'est-à-dire qu'il était gaucher de pied, il prenait mieux l'information à gauche. Donc au final, on voit que la prise d'information sensorielle, dans ce cas-là, va au-dessus des qualités motrices et des qualités, des performances physiques en fait, de l'athlète. Voilà, c'était juste un petit exemple du sensoriel qui prend le dessus sur le physique et le moteur. Donc, on a une petite question, David. Quid du sensoriel avec la fatigue physique? Puisque tu sembles dire que le sensoriel, a le dessus, qu'en est-il, en état de fatigue Ok, ben, du coup, physique? il y a une fa... le sens, quand on prend l'information, donc voilà, je ne comprends pas très bien, excusez-moi, la question. Je pense que la question, c'est est-ce qu'on fatigue sur la prise d'information sensorielle? C'est ça? Oui, globalement, la base du sensoriel, elle est là pour corriger après les postures, le schéma moteur, ainsi de suite. Seulement, quand on est dans une activité physique, on a une fatigue physique. Et la fatigue physique a un impact sur les capacités sensorielles. On Oui. va être moins attentif, on va être physiquement, musculairement un peu émoussé. Il y a plein de critères qui font que. On le voit beaucoup dans les sports collectifs, les phases de jeu changent avec la durée de jeu. Donc le sensoriel est impacté par l'effort physique. Qu'est-ce qu'on peut travailler sur ce plan-là alors? Alors là, ça me renvoie un petit peu. Alors là, on sent qu'il y a un petit background au niveau physio. Ça me renvoie à la notion de fatigue centrale et à la notion de fatigue périphérique. Donc la fatigue périphérique, on pourrait dire, c'est tout ce qui se passe après la moelle épinière, c'est-à-dire la fatigue au niveau filière énergétique, des réserves ATP-CP, de tous les substrats énergétiques, même de la fatigue des destructions qu'il peut y avoir au niveau de la fibre musculaire. Et puis il y a la fatigue au niveau fatigue centrale. Donc, c'est-à-dire la perte de motivation, la perte de l'influx nerveux qui part du cerveau, du complexe hypothalamo-hypophysaire, et toute le passage du potentiel d'action dans la moelle épinière. Donc, ça, c'est une fatigue qui se passe juste au niveau de la moelle épinière, entre la prise d'information, donc l'information qui monte, effective, et la formation affective, donc qui monte, et effective. Donc ça, il y a tout un échange. C'est une fatigue entre l'échange qui peut y avoir entre la prise d'information et redonner l'information. Donc ça, c'est la boucle, en fait, la boucle gamma proprioceptive. Et s'il y a une perte des substrats, donc par exemple, le magnésium, potassium, calcium, sodium, qui permettent en fait le déplacement du potentiel d'action, il y a une fatigue, une fatigue en fait de la prise d'information sensorielle. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. En fait,
ce que je pensais, c'était peut-être, est-ce qu'il y a des outils qui, ou une alimentation, ou par exemple une orientation sur l'alimentation, qui peut permettre effectivement de permettre d'avoir de meilleurs sens, ou de continuer à avoir des sens toujours très actifs avec la fatigue. Voilà. Alors, je vais pas m'appuyer sur une revue littéraire, mais c'est déjà les électrolytes. D'accord. Est-ce qu'on a une bonne manger assez d'électrolytes? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on s'entraîne assez à haute intensité pour avoir un potentiel d'action qui a l'habitude d'être utilisé? Voilà. Donc c'est déjà s'entraîner assez et à haute intensité pour avoir l'habitude de fournir des hauts niveaux d'intensité et les électrolytes, le sommeil, la bonne hygiène de vie. Voilà. Je vois ça comme ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Tout à fait, merci. On pourra parler en plaisir en aparté. Je vais continuer la présentation. Hop. Alors du coup, on a pris l'information. Maintenant, il y a peut-être une façon aussi de modifier cette information et de perdre, en fait, de modifier la perception qu'on a de l'environnement. Et ça, c'est les réflexes primitifs. Par exemple, une stimulation, vous savez, le nourrisson. Quand vous lui mettez un petit doigt dans la main, là, il vient fermer sa main. Ça, c'est un réflexe primitif, un réflexe d'agrippement. Quand vous lui stimulez la paume de main, il ferme sa main. Ce n'est pas qu'il décide de fermer la main, c'est involontaire. Il ferme sa main. Et des réflexes comme ça, il y en a beaucoup. Là, donc là, vous avez toute une succession de réflexes. Donc là, il y a le réflexe palmaire dont je vous ai parlé, mais il y a aussi des réflexes au niveau du cou, au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau du pied, au niveau de l'oreille interne aussi. Donc bouger, créer du mouvement par les patrons moteurs comme on va voir après, va nous permettre d'intégrer ces réflexes et même de les réintégrer si on les a perdus. Donc tout l'intérêt de continuer à avoir une richesse de mouvement, avoir une richesse au niveau de votre motricité va vous permettre de continuer de bien intégrer ces réflexes pour éviter d'avoir des perturbations posturales. Je me réexplique. Si, par exemple, vous avez une perturbation du réflexe au niveau du cou et que vous avez tout le temps l'épaule gauche qui monte parce que vous avez un réflexe qui n'est pas inhibé au niveau du cou, vous allez tout le temps vous retrouver avec une épaule un peu plus haute, des tensions au niveau du trapèze, et ces tensions vont se répartir sur tout le corps. Donc, tout l'intérêt, voilà, de bien continuer à intégrer ces réflexes au niveau du cou, au niveau du bassin, pour éviter d'avoir des perturbations posturales. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, là, Hervé ? Et est-ce que tu penses... Alors, je regarde. Non, nous n'avons pas de questions. Ok. Donc là, c'était toute la partie pourquoi on va faire ce qu'on va faire. J'espère avoir été clair. Je sais que peut-être je n'ai pas été clair pour tout le monde. Maintenant, on va continuer. Est-ce que le sensoriel est le seul régulateur de la posture? Eh bien, en fait, on pourrait aussi mal bouger, mal créer du mouvement. Et si on crée mal du mouvement, à terme, on va créer des tensions, on va créer un relâchement d'un côté et une tension de l'autre qui va nous amener à une mauvaise posture. Donc l'idée, c'est de bien prendre la formation, ne pas avoir de réflexe encore présent, mais aussi de bien créer son mouvement pour ne pas avoir de perturbation posturale. Donc, l'alternance des fonctions par étage, on rentre. Donc, du coup, quand on regarde le rachis, donc je ne vais pas vous lire tout ça, quand on regarde le rachis, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui fonctionnent de façon différente. La zone lombaire, il y a trois parties, et on va même extrapoler jusqu'à dire quatre au niveau du rachis. La zone lombaire, tout en bas, la zone thoracique, où il y a les omoplates, la zone cervicale basse, et la zone cervicale haute. Et en fait, on s'aperçoit que la zone lombaire n'a pas beaucoup de mobilité en rotation, mais beaucoup en extension et en flexion. La zone thoracique,
elle a beaucoup de mobilité en rotation et un peu moins en extension et en flexion. Et la zone cervicale, on pourrait même faire la distinction et en fait, on s'apercevrait que les cervicales hautes tournent beaucoup plus que les cervicales basses. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fait, chaque étage a sa fonction. Il y a des zones qui vont être mobiles et il y a des zones qui vont être stables. Et ça se répercute partout dans le corps. Là, on a vu que low back, la zone basse, donc la zone lombaire, était une zone d'extension et flexion et qu'elle n'avait pas beaucoup de rotation. Donc, ça fait pareil au niveau des omoplates, ça fait pareil au niveau des cervicales basses. Au niveau des genoux, c'est aussi une zone de stabilité. Et le pied, dont le tripode plantaire, est une zone de stabilité. Et on s'aperçoit du coup qu'il y a une alternance. Et ça, c'est vraiment le concept que vous deviez vous rappeler. L'alternance de fonction. Le pied est stable. La cheville est mobile. Le genou est stable, permet une stabilité, permet de transférer l'énergie. La hanche permet de mobiliser, elle permet d'avancer. La zone lombaire, la zone basse permet d'être stable. La zone lombaire permet d'être stable. La zone thoracique permet d'être mobile, permet de tourner les épaules. Les scapulas, la zone scapulo-thoracique permet d'être stable pour produire des mouvements avec l'épaule. Donc l'épaule, une zone mobile, et ainsi de suite avec les cervicales. C'est la partie vraiment importante que je voudrais vous rappeler. Est-ce que c'est compris? Est-ce que Hervé, tu penses que j'ai été clair sur cette partie-là, qui a une alternance de fonction? Oui, pour ma part, c'est très clair. Je regarde la discussion, apparemment, on n'a pas de questions, donc on pose la question à tout le monde. Si vous avez des précisions, n'hésitez pas. Ok, au fur et à mesure, ça vient peut-être. En tout cas, c'est un concept qui a été donné par Gray Cook en 2011. Alors, juste une petite précision qui va permettre d'avancer. En quoi le pied est-il stable? Ok. De Pascal. Alors, le pied, donc le tripode plantaire, permet en fait de se stabiliser, d'où son tripode, c'est sa fonction, d'avoir un appui au sol. Voilà, c'est la cheville qui est mobile. D'accord. On peut rappeler que le pied. J'explique cette diapo et puis après je reprendrai peut-être la question si c'est pas clair. Donc Gray Cook nous donne ces valeurs-là. Donc les zones de mobilité sont les lieux de création de rotation. C'est là que ça tourne. Sur la cheville, il y a de la rotation associée avec la pronosupination. Sur la hanche, il faut être capable de mettre des rotations. La hanche est une zone de rotation. La zone thoracique est une zone de rotation. L'épaule et le poignet. D'accord ? Alors que les zones de stabilité, les zones qui doivent être solides, qui doivent être capables de ne pas bouger, qui doivent être capables de transférer des forces, elles ne tournent pas beaucoup, mais par contre, si elles ont une mobilité, c'est dans la zone antéro-postérieure. La cheville. Le pied, d'accord, est une zone de stabilité. Le genou, avec un petit peu de rotation, mais il a surtout une grosse flexion-extension et permet vraiment de donner l'énergie, de transmettre l'énergie au bassin. La zone lombaire, la zone scapulo-thoracique avec les scapulas, quand on serre les scapulas derrière, le coude permet de transférer l'énergie. Voilà. Il donne aussi le principe qu'on compense d'abord un manque de stabilité et non un manque de mobilité. C'est-à-dire, si vous avez un problème quelque part, si vous avez une pathologie, il faut d'abord essayer de réfléchir en termes de stabilité. Si vous avez mal à l'épaule, au bas du dos, au lieu de commencer à étirer, cherchez d'abord d'où vient le problème de stabilité. Quelle est la zone qu'il faudrait stabiliser ? Donc, ne pas chercher à mobiliser et créer un étirement, mais chercher à renforcer une autre zone.
Parce qu'en fait, la compensation de la mobilité sera une conséquence. C'est-à-dire, je m'explique, si vous avez mal à l'épaule, excusez-moi, je vais prendre l'exemple, une autre. Si vous avez mal à l'épaule, c'est peut-être parce que le coude n'est pas assez stable. Ou c'est peut-être parce que vos scapulas, la zone scapulo-thoracique n'est pas assez stable. Donc, si vous avez mal à l'épaule, c'est peut-être parce que l'épaule compense le manque de stabilité au niveau de la zone scapula, de la zone scapulo-thoracique et du coude. Voilà. Je continue. Donc, comment travailler la stabilité? Donc, déjà, c'est de prendre conscience de chacune des zones. On va le faire ensemble. On y vient. Pour certains, ça peut être très théorique encore, mais on va voir ensemble. Comment travailler la stabilité? C'est déjà prendre conscience de ces différentes zones. Avoir un contrôle moteur très simple, répéter, et puis renforcer. Il est très facile, en fait, de faire des exercices très complexes et de mettre de plus en plus de difficultés. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde de complexifier. Mais par contre, décortiquer un mouvement pour vraiment en comprendre la substantifique moelle et de vraiment réaliser correctement l'exercice avec les bonnes zones qui donnent les bonnes fonctions, c'est plus complexe. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions du coup, Hervé, là? Oui. Ouais, alors, une question de Marilyn. Un problème récurrent de cheville peut donc venir d'une autre zone? Point d'interrogation. Tout à fait. Donc, la cheville est une zone de mobilité. Elle est peut-être en train de compenser un manque de stabilité, soit du genou, soit du pied. Voilà. Donc, la question qui suit et qui est en lien. Ne faut-il pas renforcer la cheville avant tout, par précaution finalement? Est-ce qu'elle prime pas sur les autres articulations? Est-ce qu'il ne faut pas renforcer la cheville? Ben, en fait, on va parler avant tout. On va parler du pied, du coup. Pied, alors, est-ce que c'est le pied ou la cheville? Donc là, est-ce que le pied est assez stable? C'est-à-dire. Là, il faudrait que je parte plus loin dans ma formation. Je suis désolé parce qu'il y a des choses qui font que des fois, le pied n'est pas stable. Et aussi au niveau de la hanche. Des fois, ça part aussi au niveau de la hanche. Est-ce que la zone lombaire est assez stable? Voilà. Si la zone lombaire n'est pas assez stable, ça peut amener à un problème au niveau de la cheville. Oui. D'accord, merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Bon. Pourquoi ça part? Pourquoi il y a une dysfonction? Pourquoi ça resterait pas juste correct comme quand on était bébé? Alors, le problème souvent en fait un état de rétraction antérieure, donc la posture assise, on est souvent dans une posture de rétraction, assis sur une chaise, et souvent aussi dans une position endormie où 41% des personnes apparemment dorment dans la position fœtale. Donc on se retrouve dans une position de rétraction antérieure dans la majorité du temps si on est tout le temps assis et puis on dort dans cette position-là. Là, c'est la totale. Donc le problème avec la posture assise, c'est que du coup, en fait, on inverse les fonctions. Le bassin devient une zone stable au lieu d'être une zone mobile. Et du coup, ça inverse toutes les fonctions. Le bassin devient une zone stable, les lombaires deviennent mobiles, la zone thoracique devient stable, la scapula devient mobile. On inverse les fonctions, on utilise les zones comme elles ne devraient pas être utilisées et on crée une inflammation, une dysfonction. C'est très important ça. Voilà, donc l'alternance de fonctions doit être respectée et il faut commencer son entraînement en ayant dit à son corps, attention, tu vas utiliser le bassin de façon mobile, lombaire de façon stable, la zone thoracique de façon mobile. Il faut commencer l'entraînement, et c'est tout le concept que je vais vous donner par la suite, commencer l'entraînement en disant à son corps, non, 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 mon gars, tu vas utiliser le corps comme ça. Tu ne vas pas l'utiliser comme tu fais tout le temps quand on est assis sur une chaise. Okay, bon, je vais passer ça. Voilà. Est-ce que c'est bon, Hervé?
On va arriver sur la trame, du coup. C'est parfait pour moi. Pas d'autres questions pour le moment. Ok, donc on va utiliser la trame du développement de l'enfant, c'est-à-dire avec la posture sur le dos, la posture sur le ventre, les retournements, le quatre pattes, le plat ventre, les rampées, assis, debout, le squat, la fente. On va utiliser cette trame-là pour nous permettre en fait de travailler chaîne par chaîne, du plus simple vers le plus complexe. Donc chaîne par chaîne. Donc en fait, on a beaucoup plus de facilité à apprendre à recréer un mouvement correct en commençant sur le dos, donc la posture primaire, et après de complexifier en nous mettant de plus en plus dans la posture debout. Donc commencer son échauffement sur le dos, c'est favoriser un réapprentissage, favoriser une réactivation des bons patrons moteurs. Voilà pourquoi on va utiliser cette trame-là. Si vous voulez vous renseigner plus sur le sujet, donc je vous recommande les ouvrages suivants faits par Olivier Poli, qui a sorti un bouquin très récemment. Et notamment, vous pouvez regarder la conférence sur YouTube avec Olivier Poli. Donc, vous avez le lien YouTube ici. Vous tapez donc rencontre thématique, posture et gainage, prévention et performance. Vous trouverez cette conférence sur YouTube. Donc, on va commencer. Et donc là, je vais enlever ce partage d'écran. Je vous invite à boire un petit coup, faire sortir votre tapis de sol, vous mettre au sol et on va apprendre ensemble à faire les mouvements. Voilà. Hop, choisir. Alors, n'hésitez pas à jouer le jeu. Hein, c'est dans l'action qu'on comprend le mieux les concepts. Hein. Alors, surtout que là, il va y avoir beaucoup de choses à sentir. C'est mieux que l'on essaye. Voilà. Ah, je vois quelques personnes qui se mettent à l'ouvrage, c'est bien. Ok, alors forcément, on va commencer sur le dos. Alors, au début, vous allez avoir du mal à créer une trame. Juste après, vous allez peut-être me dire, ouais, mais moi, dans l'entraînement, ça ne va pas fonctionner, je ne vais pas y arriver. Moi, ce que je vous propose, c'est que ça, ce qu'on va faire, vous allez pouvoir le faire à l'échauffement. Alors, peut-être qu'au début, vous allez avoir du mal à créer votre propre échauffement, comme ça. Mais l'idée, c'est... Donc, après, je vous donne un lien vidéo vers mon warm-up personnel. Un lien YouTube, mais l'idée c'est que derrière bah, vous puissiez créer soit un échauffement à vos athlètes personnalisés sur cette trame. Alors vous pouvez commencer, il vaut mieux commencer directement dessus, ne commencez pas par un footing. Si vous commencez par un footing ou autre chose, vous êtes en train de dire à votre corps fonctionne sur la façon que tu avais de fonctionner toute la journée, c'est-à-dire assis sur une chaise en ne respectant pas l'alternance de fonctions. Commencez par le réapprentissage, commencez à dire à votre corps de réapprendre les bonnes fonctions pour que derrière, vous puissiez partir sur votre footing. Alors voilà, on va réapprendre ensemble comment on va bouger correctement. Hop. On commence sur le dos. Donc là, sur le dos, on va surtout s'occuper de la chaîne antérieure et on va essayer de s'occuper dans un premier temps de juste dissocier d'ailleurs les abdos. Donc, vous imaginez un cadran sur votre ventre, partie supérieure gauche, partie supérieure droite, inférieure gauche, inférieure droite. Dans cette position-là, hop, je me relâche complètement et je vais essayer juste de lever l'épaule gauche, lever l'épaule droite. Juste ça, rebouger ici, recréer de la mobilité comme ça. Et en recréant cette mobilité, en fait, je suis capable de recommencer à activer mes cadrans abdominaux sans solliciter les cadrans du bas. Il y a des personnes qui ne sont pas capables. Il y a des personnes qui vont soulever une hanche gauche, soulever la hanche droite. Elles ne sont pas capables de dissocier. Donc voilà, je suis capable de dissocier ces cadrans-là. Deuxième exercice, facile aussi. Hop, je lève un genou et je suis capable d'envoyer la hanche sans bouger les épaules. Donc je suis capable d'activer les cadrans inférieurs gauche et droit sans activer les cadrans supérieur.
Voilà, je suis capable de dissocier. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas capables. Alors, après, vous pouvez mettre une main comme ça, garder l'épaule gauche au sol et hop, bouger. Ça rajoute un petit peu de complexité. Voilà. Donc là, on a vu ce qui se passait au niveau des abdos. On va faire le même raisonnement au niveau des fessiers. Hop. Et maintenant, c'est le petit test. Je vais mettre les mains sur les fesses et vous allez me répondre dans le chat. Mettez-vous comme ça. Est-ce que vous êtes capable de contracter vos fessiers sans contracter les ischios? Alors, on va voir si certains y arrivent. Allez-y, je vais regarder dans le chat. Est-ce que vous êtes capable de contracter vos ischios? Ça, c'est l'étape zéro. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Hervé, Sébastien Reisdorfer voudrait te voir faire les exos. Et dans ce cas-là, je ne peux pas tenir le chat. D'accord. C'est dommage. Ok. Bon, il n'a pas dit qu'il pourrait me remplacer, mais... Est-ce que je parle assez fort, Hervé, quand je suis là-bas? Oui, là, on t'entend bien. Alors non, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à activer ses fessiers sans activer les ischios. Ok, alors le problème, c'est que déjà, si vous n'arrivez pas à activer vos fessiers si vous n'arrivez pas à activer vos fessiers, c'est-à-dire contracter les fessiers sans activer les ischios, déjà, il va y avoir une bascule, il y a une dysfonction. Vos fessiers n'arrivent pas à placer le bassin en rétroversion. Ils n'arrivent pas à stabiliser le bassin. Donc là, on se retrouve déjà avec un potentiel de zone lombaire instable. Donc déjà, dans cette posture-là, il faut être capable de contracter les fessiers, ischio relâché, hop, pour monter. Donc après, quand je monte, c'est normal, les ischio se contractent. Ça, c'est l'étape 1. Après, l'étape 2, je suis capable de contracter la fesse gauche et la fesse droite de façon dissociée. Je suis capable de faire la gauche et la droite de façon dissociée. Quand je suis là, je vais vous demander de faire ce test-là. Alors, regardez bien. Je mets bien face à vous. Je monte le bassin, donc les mains en haut, je monte le bassin, et ça, c'est un petit test que vous pouvez faire à vos athlètes pour voir s'ils contrôlent bien grand fessier et moyen fessier. Je suis là, je tends la jambe devant moi. Alors, vous avez vu, je ne la mets pas en haut, je la mets devant moi. Et là, donc je me fais de côté pour que vous voyez, hop, c'est ça, et hop. L'idée, c'est que quand je suis dans cette position-là, si vous voyez ça, un effondrement de la hanche, ça veut dire que là, il y a un des fessiers qui ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, ce qu'il faut voir, c'est ça. Hop, les deux hanches qui restent au même niveau. Et là, le fessier fonctionne bien. Le moyen fessier fonctionne bien dans sa stabilisation. Là, on est bien. Après, on passe encore une étape et vous demandez à votre athlète de rester dans cette position-là 10 secondes. S'il y a un effondrement progressif, c'est-à-dire il commence bien. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça s'effondre. Voilà. On est déjà mieux que celui qui s'effondre directement, mais il va falloir travailler là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour les fessiers. Pour ceux qui ont des bandes, vous pouvez rajouter les bandes au niveau des genoux et hop, vous entraîner comme ça à bien contracter vos fessiers sans contracter les ischios et sans contracter le dos. Ça, c'était pour les fessiers. Là-dessus, donc, on peut se mettre des petits élastiques. Par exemple, prendre un petit élastique, n'importe lequel, et déjà commencer à activer la zone scapulaire et sortir les omoplates. Hop. Donc ça, c'est vraiment très, très simple, mais éventuellement, c'est pour que vous compreniez l'objectif. Donc là, on a vu vite fait, vraiment vite fait, ce qu'on pouvait faire sur le dos. Maintenant, on va voir ce qui peut se passer sur le ventre. Alors, excusez-moi, sur le dos, je reste sur le dos. On peut étirer aussi. C'est-à-dire, donc là, on a activé, mais on peut aussi faire... donc là, bah déjà, je commence à étirer, le grand dorsal, à créer de la rotation. On peut aussi se mettre comme ça, donc la contraction fessier, hop, j'étire l'ischio. Donc, vous avez un côté de stabilisation avec de la mobilisation. On ne fait pas que de s'étirer sans contrôler. Je contrôle et je mobilise. On passe à plat ventre. Donc là, plat ventre,
on va pouvoir faire plein de choses sur la chaîne postérieure. Le redressement. Donc là, le bébé doit se redresser. C'est déjà... Il va se redresser, renforcer sa chaîne postérieure. Donc, il y en a qui ne sont pas capables déjà de vraiment sortir la poitrine, serrer les omoplates. Il y en a qui vont faire avec les épaules projetées vers l'avant. Donc, est-ce que je suis capable déjà de serrer les omoplates, puis de décoller les mains? Je relâche, je serre les omoplates, puis je décolle les mains. Voilà, dissocier le travail pour comprendre que la zone scapulaire stabilise avant de bouger l'épaule, avant de mobiliser l'épaule. Je stabilise, puis je mobilise. Ça va, les questions? Non, pas tellement. On continue avec les fessiers, donc ce qui nous intéresse, en fait, l'athlétisme. Est-ce que je suis capable de stabiliser la zone lombaire avant de mobiliser? Je contracte les fesses, puis je décolle les jambes. Je relâche. Je contracte les fesses, puis je décolle les jambes. Donc là, ça a l'air très simple. Mais attention, à contracter les fesses, les fessiers, je vous le demande de faire en mettant en pression le sol. Pas avec votre nombril, avec votre bassin. Voilà. Ça, c'est vraiment pas facile à bien maîtriser. Et attention, essayez de le faire. Alors, c'est bien quand il y a quelqu'un qui vous donne un feedback, qui vous appuie sur les ischios et le dos. Est-ce que vous arrivez à mettre en tension votre bassin dans le sol sans contracter votre dos? Et là, c'est difficile. À partir du moment où vous allez commencer à appuyer votre bassin dans le sol, il y en a qui vont contracter le dos, voire qui vont redresser les épaules. Il faut juste être capable de maîtriser la partie basse, les fessiers. Donc là, c'est encore l'histoire du cadran. Votre cadran est là. La ceinture, c'est le milieu du cadran. Les fessiers, partie basse. Et les omoplates, partie haute. Les retournements, donc du coup, on va le faire comme ça. Est-ce que vous êtes capable de bouger une épaule en gardant votre bassin bien au sol, redresser une épaule, puis l'autre? Vous avez vu, j'ai les deux mains devant. Et je suis capable de redresser une épaule. Voilà, on voit ça. Je crée de la dissociation entre le haut et le bas. Mais attention, en serrant les omoplates à chaque fois. On continue dans l'idée. Je mets bien en pression. Je stabilise. Je mets bien en pression le sol. Et je lève la jambe. Je lève et je vais chercher loin. Alors celui-là, on le voit très souvent. Celui-là, on le voit très souvent et très souvent mal fait. C'est-à-dire, on vient chercher là avec l'hyperextension lombaire. Je ne veux pas d'hyperextension lombaire. Je veux une stabilité, par contre, de la zone lombaire. Pas d'hyperextension, non, pas d'hyperextension ici, mais juste une extension de hanche. Votre fessier doit être contracté. Je commence par stabiliser, mettre en pression le sol, décoller la jambe, la fesse est contractée, puis j'y vais. Je stabilise, puis je crée le mouvement. C'est toujours pareil. Donc, par contre, là, il y aura toujours de l'étirement qui va être créé. Mais attention, c'est un étirement qui va être mis au bon endroit. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vous ai perdu? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, mobilité thoracique, point d'interrogation. Donc, ça vient juste sur ce que tu viens de montrer. On fait de la mobilité thoracique quand on fait celui-là. Merci Florent, tout va bien, ok. Donc, sur celui-là, oui, il y a de la mobilité de hanche parce que déjà, il faut lever la jambe et puis après, c'est de la mobilité thoracique en effet. En tout cas, il faudrait que ça le soit. Il ne faudrait pas que ça soit de la mobilité lombaire. Ça serait bien. Ok, merci pour le retour. Réflexe archaïque, on ne les a pas vus, mais on va voir ce qu'on peut faire au niveau un très important pour la course à pied, c'est inhiber le réflexe amphibien, celui-là. Donc, c'est tout ce qui se passe au niveau de la reptation. Pour toutes les personnes qui ont des pubalgies, les tendinopathies à l'épine iliaque, ici, là,
Allez-y, essayez de faire cet exercice assidûment, c'est-à-dire d'être capable de bouger les hanches comme ceci, tourner le bassin et élever un genou. Tourner le bassin et élever un genou. Ça serait vraiment très bien pour être capable de mettre de la reptation. Pour les jeunes, c'est à faire très, très souvent. Là, avec le confinement, notamment, j'avais une personne sur trois, c'était Benjamin, alors, je ne sais pas si c'est hasard ou pas, qui rampait avec une seule jambe. Donc, derrière, ça veut dire que tous mes Benjamins, je les avais comptés, un Benjamin sur trois rampait avec une seule jambe. Donc, ça veut dire que derrière, il y a la reptation qui n'a pas été acquise. Il va falloir monter les genoux, passer des haies, il va y avoir un manque au niveau de la motricité. Ou alors, ça va être difficilement acquis. Donc là, il va falloir ramper et retravailler cette reptation pour que derrière, vos Benjamins puissent apprendre des qualités athlétiques correctes, passer des haies, ou voire juste monter les genoux naturellement. Ou pour ceux qui font du trail ou du fond, ne pas user le vélo de façon en utilisant mal le corps. Donc voilà. À plat ventre, mettez de la reptation. David, est-ce que tu peux remontrer juste le mouvement? Est-ce qu'il faut soulever le genou ou le faire glisser au sol? Ah bah, là, que tu remontes. Hop, déjà, juste, je glisse au sol, mais en tout cas, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas arrondir le dos. Il faut se laisser sortir les fesses, monter les genoux. Alors, après, on peut mettre la main devant, on peut vraiment ramper, avancer. Bon, là, je sors de l'écran. Voilà, on peut vraiment ramper. On peut faire ça avec la contraction fessier, c'est-à-dire, je contracte les fessiers, je décolle les jambes, et à partir de là, hop, et je touche rien. D'accord? Alors là, par contre, il faut appuyer dans le sol. Hein. Il faut qu'il y ait un appui dans le sol avec les mains. Hein. Hop, voilà. On peut faire ça. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut, c'est ça. C'est le mouvement des fesses qui bascule à gauche à droite. N'essayez pas de stabiliser ça. Laissez ça bouger. Laissez ça mobiliser. D'accord? Bougez comme ça. Et montez une hanche. Et montez un genou. Voilà. J'ai été clair, je pense. Oui, merci. Donc, après la posture à plat ventre, le bébé va commencer à appuyer au sol. Appui facial. Il va commencer à appuyer, se redresser. Et hop, et on va étirer tout ce qui est devant, donc la chaîne intérieure. Donc on va pouvoir faire, je vous en montre plusieurs dans la foulée, étirement devant, mais attention, celui-là, il est souvent fait, et souvent mal fait. À votre avis, là, je vous laisse, qu'est-ce qui est souvent mal fait là-dessus? Ok, la lordose lombaire, tout à fait, voilà, il faut bien contracter les fesses, bien jouer Arnaud. Si c'est pour créer une plus grosse lordose, c'est pas bon, d'accord? Je serre les fessiers, je suis capable de stabiliser. Là, la zone de mobilité, c'est quoi? C'est quoi que je mobilise, du coup? Alors, le psoas est étiré par la hanche, d'accord? Je mobilise la hanche, je sors la poitrine, je mobilise aussi la zone thoracique. La zone lombaire est stable. Et puis hop, après on peut faire des choses à base de ça. D'accord? On peut faire des choses hop, sur une jambe, passer à plat ventre. Hop, d'accord? Pour ceux qui veulent plus de facilité, ben, n'hésitez pas à rester à genoux. D'accord? Faire des choses comme ça. Et là, voilà, je recrée de la mobilité de façon simple. Enfin, un peu moins simple que sur le ventre et sur le dos, mais de plus en plus compliqué. À partir de là, on a commencé à appuyer dans le sol. Le bébé va commencer à marcher à quatre pattes. Et là, il va y avoir la première alternance de chaînes croisées. D'accord ? Il va falloir que je sois capable de soulever un membre. Alors, ça peut être une jambe ou l'autre, en alternant les chaînes. L'idée, je me mets ici, voilà.
Vous avez vu, j'ai fait un gros carré pied-main. Attention au fur et à mesure à ne pas serrer les genoux. Je suis capable de monter une main et monter l'autre en restant stable, indéformable. C'est les deux mots à utiliser, stable, indéformable, comme un roc. Vous demandez à vos athlètes de ne pas bouger. Attention, ni à faire comme ça, ni à faire comme ça. On utilise les alignements naturels. Voilà, on peut le faire avec les mains et on peut le faire avec la contraction du fessier. Pour tous ceux qui font du départ en start, pour tous les coureurs qu'il peut y avoir, je pousse loin, 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 loin et je contracte la fesse. Et je recommence. Je pousse loin, 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 loin et je contracte la fesse. Et je ne bouge pas à gauche, à droite. Voilà, je suis capable. Le 4 pattes, c'est très important. Il faut mettre du 4 pattes dans vos échauffements parce que ça va vous permettre d'intégrer des réflexes archaïques. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais mettez du 4 pattes pour vos réflexes archaïques. Du 4 pattes avec chaîne croisée pour alterner les chaînes, inhiber, intégrer des réflexes archaïques. Il faut vraiment en mettre. Si vous pouvez en mettre 2, 3, allez-y. Donc, on a dit dans le 4 pattes, il y avait tout ce qui était enlever une main, enlever un pied, enlever un pied, voilà, alterner. Et on peut rajouter un peu de mobilité, la mobilité thoracique. De façon simple, je garde le bassin hyper stable et je bouge le thorax. On peut le faire aussi en posture Spider-Man. J'appelle ça Spider-Man. Hop, tac, tac. Voilà. Toujours cette progression, je suis toujours à quatre pattes. Vous avez vu, je suis toujours à quatre pattes et je crée de la mobilité aux bonnes zones et je ne bouge pas certaines zones. Ok, on était à quatre pattes. Après, il y a les postures à genoux. Voilà, force de redresse à genoux. On va passer ça. On va pas tout voir. On a une petite question de Florent à nouveau. Pendant les mouvements, qu'en est-il du flux respiratoire? Alors, déjà, ce que je dirais, c'est qu'il y a tellement de choses sur lesquelles il faut se concentrer que. C'est pour moi, c'est, je suis désolé et j'ai peut-être tort. Et je suis désolé si j'ai tort, mais je pense qu'il y a d'autres choses sur lesquelles se concentrer en premier pour créer la fonction juste. En tout cas, quand on stabilise, et au début, quand on apprend à stabiliser les choses, on est quasiment en apnée. Et il y a très peu de mouvement des fois. On est hyper stable et c'est pas facile de vraiment respirer à certains moments, quoi. Voilà. De toute façon, quand le corps crée un impact, au moment où il doit développer une grosse force, vous serrez tout. Vous serrez tout, vous ne respirez plus. Donc, il faut savoir aussi être capable de rentrer le ventre, faire une grande inspiration, rentrer le ventre, bloquer, stabiliser. Et je pense qu'au lieu de créer de la mobilité, souffler et tout ça, je pense que beaucoup plus de personnes devraient s'occuper à être fort et stable qu'à être souple et mou. Voilà, désolé. J'ai peut-être tort et je suis peut-être allé un peu plus loin. Désolé pour ceux que j'ai choqués. Voilà. Merci. Ok, maintenant on va voir. Donc du coup, je pars debout, l'enfant se redresse. Hop, et là, on va pouvoir arriver sur, d'abord, avant de mettre un pied devant l'autre, l'enfant, d'abord, il écarte tout. Il écarte tout, il reste dans cette position-là, sans dissociation, il garde le bassin de face. Donc, on va reprendre les choses correctement et bien faites, pied dans la ligne, et être capable de réaliser un squat correct. Un squat thoracique, qu'est-ce que c'est et généralement, qu'est-ce qui ne va pas? Généralement, c'est ça. Les pieds trop en canard, les genoux qui rentrent. Donc là, on a un pied pas stable, une cheville trop mobile, d'accord, ou alors peu mobile en rotation externe, d'accord. Donc ça bouge vers l'intérieur, le genou rentre à l'intérieur, et ça, si le genou rentre à l'intérieur, ça veut dire qu'on est en train de créer des rotations dessus. Si vous créez des rotations sur le genou, bah vous imaginez bien, le genou n'est pas fait pour créer des rotations. Et du coup, tibia
fémur, on tourne et les ménisques, ils dégustent. Donc du coup, il faut bien éviter, il faut bien faire attention de créer sa rotation sur les hanches, sur les chevilles, donc pieds parallèles. Hop, et j'essaie de pousser les genoux vers l'extérieur. Voilà, en évitant à tout prix ça. Ça, c'est vraiment le truc à bannir, les genoux qui rentrent. Déjà, quand on court, ça rentre souvent vers l'intérieur. Donc, essayez voilà, de réactiver, pieds parallèles, hop, et contrôler un beau squat. Donc là, les consignes pour ça. Orteil relevé, ça va vous aider à stabiliser le pied. Orteil relevé, genou vers l'extérieur, appui sur le bord externe. Oui, orteil relevé. Ça aide à stabiliser, car l'extenseur de la luxe permet de stabiliser l'arche plantaire. Ok, donc là, remettre du squat. Un squat complet qui va nous permettre d'étirer les quadrilles, d'étirer les fessiers. Donc, il y a de l'étirement, il y a de l'amplitude. Je crée mon étirement. Pour ceux qui ont trop de difficultés, hop, vous créez un point fixe devant, vous appuyez un poteau, hop, et on descend jusqu'en bas en respectant le bord externe, l'amplitude complète pour étirer, les genoux poussés vers l'extérieur, etc. Voilà. Donc là, on a fait les squats. Vous pouvez faire les squats hop, en overhead. On peut mettre un petit saut. D'accord. Après, on voit la fente. Sur une fente, donc plein de choses déjà, c'est de mettre un pied devant, un pied derrière sur l'axe. Voilà. Et d'être capable de faire des pas, monter, faire des grandes fentes, avant, arrière, latéral, d'accord ? Mais tout comme ça. Attention encore de créer la bonne chose. Très, très simple, avant de partir sur des exercices farfelus, les faire correctement. Les faire correctement, les fentes, c'est encore une fois, et très souvent, c'est de stabiliser son arche plantaire. Pas écrouler. Hop, je dois voir mon genou. Vous avez vu mon regard ? Avec mon regard, vous ne voyez pas mon regard, mais vous comprenez que je suis capable de voir mon pied. N'ayez pas peur de trop pousser le genou et de répéter des fentes comme ça. Bord externe, genou à l'extérieur. Voilà. Donc, d'avoir des fentes bien faites comme ça. On peut rajouter de la mobilisation avec le haut du corps. Hop. Un petit peu de mobilisation thoracique. Vous avez vu ? Hop. Je suis capable, comme quand je cours, vous avez vu, une épaule va devant l'autre. Hop, je mobilise bien. Et hop, et la hanche stabilise, la zone lombaire stabilise, le genou stabilise. Voilà. Ça, c'était sur une jambe, sur en fente. On peut rajouter une petite mobilisation aussi comme ça. Hop. On peut étirer derrière, toucher devant, regarder en haut, toucher devant. Là, libre cours à votre imagination tant que vous faites des fentes correctes. Existe-t-il des exercices pour ceux qui ont des problèmes plantaires et qui portent des semelles orthopédiques ? J'aimerais bien que tu penses ta question après, Yves. Merci. On va y revenir, merci. Voilà, on était en fente et stade ultime sur un pied. Hop. Déjà sur un pied, je suis capable hop, de créer des rotations sur la hanche. Je suis capable de stabiliser bien mon arche plantaire, bord externe, orteil relevé. Je crée des rotations sur la hanche. Je crée des rotations sur les épaules, enfin sur la zone thoracique, désolé. On peut faire des choses avec les mains, medicine ball, tout ce que vous voulez. Et je suis même capable de créer de la mobilisation. Hop. En étirant l'ischio, je reviens, j'étire l'ischio. On peut rajouter même un étirement du quadriceps, on fait moral. Hop, comme ceci. Là, j'ai un double étirement. Ischio, quadri et stabilisation de la zone lombaire. Alors, celui-là, vraiment, moi, j'aime bien. Personnellement, il y a, en laissant tomber l'épaule devant, là, on a la totale. Là, on est vraiment sur une stabilisation de la course à pied. Et une mobilisation ou des zones de rotation. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va regarder, répondre à vos questions par la suite. Semelle ne donne pas.
Alors, tout ce qui est question pied, semelle, j'y répondrai juste après. On visionne maintenant la vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube, je vous la donne dans le chat juste après qu'on l'ait regardée. Donc, on la regarde ensemble et vous l'aurez après. On va la commenter ensemble pour que vous puissiez l'utiliser et vous compreniez en fait ce que je fais, à quoi elle sert cette vidéo. Voilà. Alors, 2 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Est-ce que vous voulez revenir sur une des postures? Est-ce qu'il y a une des postures à plat ventre? Je n'ai pas fait sur le côté. J'ai fait à plat ventre, à plat dos, je n'ai pas fait sur le côté. Et pourtant, il y en a des choses sur le côté. Je reviens vite fait sur le côté. Je vois qu'il est 21h. On est largement dans le temps. On va terminer maximum à 21h30. On est bien. OK. Sur le côté, alors, la version vraiment tranquille. Je suis capable d'être sur le côté et de mobiliser. Mobiliser la zone thoracique. Vous avez vu ici, mes hanches ne bougent pas. Donc, je stabilise en bas. On peut même lever, utiliser le moyen fessier pour lever devant, mettre une mini-bande entre les genoux pour stabiliser la zone lombaire et mobiliser la zone thoracique. Hop, je suis plus dur. Je passe sur le genou. Attention, mais à bien le faire sur le genou et pas sur le pied. C'est un petit peu plus intéressant pour la raison qu'en fait, là, on utilise le tenseur du fascia lata et je ne voudrais pas trop l'utiliser. Alors qu'en fléchissant le genou et en prenant sur le genou, là, je suis sur le moyen fessier. C'est beaucoup plus intéressant. Je stabilise bien là. Attention à ne pas mettre les fesses en arrière. Je stabilise en essayant de rétroverser, de pousser le bassin vers l'avant. Et là, ben, on peut faire plein de choses. On peut mobiliser là. Hop. Donc, il y a une stabilité ici de la zone scapulaire, une mobilisation de la zone thoracique. Voilà. On peut venir étirer le quadri, étirer l'ischio, faire des cycles de course. Donc, il y a la question de stabilité au niveau de la hanche, mais aussi il y a la question de mobilisation et d'étirement. Donc, ça va vous permettre aussi de rajouter de la richesse dans vos autres entraînements, de gagner du temps parce que vous faites 2 choses à la fois. Donc, au lieu de faire votre footing d'échauffement, vous êtes capable de vous entraîner à réapprendre un mouvement. Vous vous étirez et vous vous renforcez. On a une question de Sébastien qui débute dans l'entraînement. Un ou deux exos pour les étages supérieurs, cervicales. Des exos pour les cervicales? Ah, pour oui. Les étages supérieurs des cervicales. Sébastien, tu parles des cervicales hautes? Oui, parce que j'ai l'impression, hein, mais je débute dans ton domaine là. On a vu beaucoup d'exos sur les étages inférieurs du rachis, mais je sais que parce que tu me les as montrés, mais c'était pour tout le monde, qu'il y a aussi des petits trucs au niveau cervical. Des petits trucs, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, des exos de mobilité ou de stabilité. Ok, alors déjà, s'il y a un problème au niveau des étages supérieurs, on se pose la question, quelle est la fonction de cet étage? Et quelle est la fonction des cervicales hautes? La mobilité. Donc, j'ai donc un problème de mobilité. Je réfléchis alors, mais quelle est la zone de stabilité qui peut poser problème? Alors, juste en bas, il y a la stabilité des cervicales basse, il y a la stabilité crânienne, mais bon, ça compte pas, et il y a le regard. Donc, du coup, en fait, le regard qui est perturbé par quelque chose où il y a trop de mobilité sur le regard, et du coup, on sursollicite les cervicales hautes en mobilité. Donc, du coup, ce que je ferai là, c'est regarder déjà s'il n'y a pas un problème au niveau des yeux, et deuxièmement, je regarderai s'il n'y a pas un problème de stabilité au niveau des cervicales basses. Là, ce que vous faudrait que vous reteniez, c'est OK, il y a un problème de mobilité en haut, mobilité cervicale haute. Problème de mobilité, où est le problème de stabilité? Je ne me focalise pas sur la zone problématique. Donc, hop, qu'est-ce qu'on peut faire
par exemple, là, pour rechercher un problème de stabilité cervicale basse. Alors, pourquoi il y a des problèmes de stabilité souvent cervicale basse? C'est la posture assise. C'est la posture dos rond, projection de la tête vers l'avant. Donc, projection de la tête vers l'avant dit des tensions sur les cervicales basses, une perte de mobilité. Donc là, ce qu'on fait, hop, on peut tout simplement être capable de décoller la tête du sol et faire menton-poitrine. Vous savez, le double menton. Donc, est-ce que je suis capable de faire ça? Il y a des gens qui sont incapables de faire menton-poitrine, qui ne maîtrisent pas. Alors, en plus que ça soit dur pour certains, il y en a qui ne maîtrisent pas, il y en a qui ne sont pas capables de le contrôler, d'avoir le système moteur qui fonctionne là-dessus. Donc déjà, il faut s'assurer pour les cervicales hautes, est-ce que je suis capable de contrôler? Étape 1, je contrôle. Étape 2, je répète. Étape 3, je renforce. C'est ce que je vous ai dit après. Voilà, donc renforcer pour les cervicales hautes, c'est déjà je contrôle. Je renforce, je reste dans cette position-là. Voire je rajoute des mouvements au niveau des bras, d'accord, un medicine ball, rajouter un petit peu de mobilité d'épaule, voilà, faire quelque chose, mais avec ce bon port de tête où je viens renforcer la stabilité des cervicales basses. Est-ce que j'étais assez clair, Sébastien? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfaitement. Ok. Alors, bien sûr, là, c'était un problème de stabilité cervicale basse, mais on pouvait encore descendre d'un étage et regarder la stabilité scapulo-thoracique, donc des omoplates. On pourrait regarder si ça s'est décalé. Alors, on va faire simple. Voilà, on regarde ensemble. Alors, il y avait des questions. Les semelles, on y répondrait après. Et idéalement, combien d'exos pour chaque zone? Alors, l'idée, c'est de ne pas se fatiguer avant sa séance non plus. Alors, c'est en quoi on s'instaure? Est-ce que c'est un échauffement ou est-ce qu'on dit juste à son corps, réactive-toi, rebouche correctement, c'est un petit rappel, sachant que derrière, on ne va pas réapprendre les choses en 10-15 minutes. On peut changer des choses en 10-15 minutes. Attention, ne me faites pas dire, le cerveau est très plastique et apprend très très vite. Mais il va falloir réapprendre, il va falloir répéter beaucoup. Et forcément, si on le répète tous les jours, si on fait des exos sur le dos, sur le ventre, sur le côté, tout le temps, on va apprendre plus vite, mais aussi on va plus se fatiguer. Je dirais, un échauffement, 10-15 minutes là-dessus, de faire sur le ventre à sur le dos. C'est le temps de votre footing, d'accord. On peut faire des choses là-dessus. D'ailleurs, l'échauffement que je vais vous montrer, il est fait entre 6 et 8 minutes. Peut-être 12 minutes la première fois que vous le faites parce que vous n'avez pas l'habitude, mais après, en 6-8 minutes, ça se fait. Moi, j'ai créé carrément des séances de renforcement avec tout ça. Voilà, tout à fait, c'est qu'après, si vous voulez carrément vous fatiguer là-dessus et une fois que vous avez fait votre séance, vous reprenez ce que vous faites et vous travaillez à quatre pattes, vous travaillez à genoux, vous travaillez sur le ventre. Il ne faut ni que ça soit trop dur parce que vous ne comprenez rien et vous n'arrivez pas à maîtriser, ni trop facile. Si c'est trop facile, vous n'apprenez rien non plus. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. L'idée, c'est d'être capable d'avoir créé le bon mouvement debout. Donc, si vous voulez créer le bon mouvement debout, essayez de le créer correctement à genoux, correctement à quatre pattes, correctement sur le ventre, correctement sur le côté, correctement sur le dos. D'accord ? Et à partir du moment où vous arrivez à maîtriser un mouvement dans une posture, hop, et vous apprenez en décalant la posture et en allant vers le debout. Ok ? Je vous montre la petite séance que j'ai faite. Et je vous donnerai le lien. Partagez l'écran. Hop. Ok, vous voyez, c'est bon? Warm-up, c'est bon, Hervé? Ça démarre, c'est bon. Ok, on le visualise un coup. Ça dure 2 minutes. On le visualise un coup ensemble, 2 minutes, et après on l'analyse vite fait tous ensemble, vous allez voir, ça part sur le ventre, à debout. Ça met environ 6-8 minutes à être fait, donc là, la vidéo dure 2 minutes.
début de séance. Hein. Et vraiment, on commence la séance avec ça. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, on reprend tout ça rapidement. Donc, au début, je commence par de la mobilisation en contracté relâché. Donc, je contracte et relâche les adducteurs parce que ce sont des rotateurs internes et du coup, voilà, faut arriver à les contracter relâchés. Donc, j'utilise des méthodes de respiration. Là, on utilise ça où je contracte en inspirant et je souffle en expirant. Donc, je fais ça en 6 à 8 cycles, selon le temps que je veux donner. Après ça, hop, adducteur. Donc là, après, vous avez vu, je stabilise bien le bassin et je mobilise les épaules. Voilà, je mobilise, enfin, la zone thoracique, désolé. Je reprends. Je mobilise la zone thoracique en stabilisant le bassin, donc il y a l'utilisation des fessiers, donc c'est vraiment fait pour les coureurs celui-là, j'ai vraiment mis l'accent pour la course à pied, donc vraiment, stabilité de bassin, les fessiers, ils sont toujours là. Donc là, à deux pieds, et je bouge les épaules. Je continue, voilà, toujours sur le dos, alors là, il y a un étirement des ischio-jambiers, les mains sont overhead pour un bras tendu pour étirer le grand dorsal, pour ouvrir les épaules. Donc, il y a un étirement en fait, du grand dorsal, une contraction très forte des abdos pour stabiliser le bassin et un étirement des ischio-jambiers. Mais ce n'est pas fait en passif, c'est très, très actif. Il y a juste à voir la tête que je fais quand je le fais là pour comprendre que c'est très actif. Donc, il faut vraiment tendre la jambe très fort pour étirer. Alors, vous avez vu, je ne pose pas la jambe par terre pour augmenter la... Tout est fait pour contracter les abdos, là. Les mains en overhead et le talon qui ne touche pas le sol. Donc là, il y a l'étirement du quadriceps avec la stabilisation de la hanche, la stabilisation de la zone lombaire. Je mobilise en plus les thoraciques. Voilà. On voit notre petite intégration du réflexe amphibien à plat ventre. Donc là, je le fais sans toucher les genoux au sol. Vu qu'on fait de la course à pied, le fessier est très important et le fait de ne pas poser les genoux au sol fait qu'il y a une surstimulation du fessier. Vous avez vu, je bouge bien les hanches dessus. Donc là, les fessiers sont contractés, la poitrine est sortie, les scapulas sont serrées. Et hop, j'étire encore l'ischio. Vous savez, c'est vraiment important. Enfin, voilà, je rétire une deuxième fois l'ischio derrière avec une mise en tension très active. Par contre, aussi, il y a une grosse faute, c'est qu'en fait, je décale le bassin. Je n'ai pas les deux iliaques alignés. Ça, c'est un problème. Voilà, bon, bah, excusez-moi, je ne suis pas très, très souple là-dessus. Voilà, il faut que je progresse là-dessus. Voilà, donc il y a une jambe qui lève.
et ça permet d'avoir une contraction de fessiers, une contraction des fessiers avec la jambe qui lève, si c'est vraiment bien fait, que je ne décalais pas les hanches, avec la mise en tension des ischios dans un alignement, parce qu'on pousse jusque sur les mains, le dos est plat, les omoplates sont serrées, l'ischio est et le bassin stabilise. Là, je contracte encore une fois les fesses avec la contraction des abdos, parce que je suis à quatre pattes. Là, c'est encore du quatre pattes, mais sur le dos. Donc là, il y a un grand étirement du grand dorsal avec la main, grand étirement du grand dorsal, des rotations thoraciques, une stabilisation encore du bassin avec les fessiers. Vous avez vu, c'est redondant. C'est à chaque fois, je vous redemande de contracter les fesses, mais dans des positions différentes et de plus en plus complexes, avec des étirements différents aussi. Voilà, quand je passe au sol, donc il y a les fesses qui passent sur les talons, et il y a encore un étirement des quadriceps. Voilà, donc là, ça fait encore un étirement sans s'en rendre compte. Là, il y a l'étirement donc, des quadris en bas et l'étirement du grand dorsal quand on est en position haute. Donc là, ici, position très spécifique du coureur, du sprinter, voire du hurdleur, avec les pieds très écartés. Il faut vraiment avoir l'intention là-dessus de tendre arrière, de contracter le quadriceps très fort. Il y a même la fesse qui se contracte pour tendre la jambe et étirer le psoas. Donc, il y a une contraction active pour tendre la jambe. L'autre côté, le fessier est étiré. L'ischio dans sa portion haute est étiré. Donc là, la jambe gauche ici. Il y a un étirement encore de l'ischio, troisième étirement, mais d'une façon différente, avec la rotation des épaules très spécifique à la course à pied. Donc là, voilà, on commence à pousser. Il y a encore un étirement des quadriceps, parce qu'on vient mettre les fesses jusque sur les talons, et un étirement des adducteurs. Donc, d'accord, là, on étire un petit peu les adducteurs parce qu'on passe sur le côté. Donc, mise en tension de l'adducteur droit dans ce cas-là. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite faute. C'est que là, il y a mon pied qui s'effondre. Voilà, j'ai les orteils qui ne redressent pas. On ne voit pas. Les orteils ne se redressent pas. Il y a un effondrement de l'arche plantaire, ce qui n'est pas bon. Pareil de l'autre côté. Le genou est un peu projeté en avant. Ce n'est pas bon. Les orteils ne sont pas redressés et la voûte plantaire est écrasée. Ce n'est pas bon. Donc là, c'est déjà recommencer dans cet exercice-là à mettre les choses correctes. Penser à ce qu'on doit faire. Dire au corps ce qu'il doit faire. Donc là, sur le squat, j'en vais un, bien penser à pousser les genoux vers l'extérieur, le bord externe. À chaque fois, donner énormément de consignes, juste pas faire pour faire, mais faire en réfléchissant à ce qu'on fait, redonner de la fonction à chacun des mouvements. Le dos est aligné, je sors la poitrine. Donc là, on a de la stabilité scapulaire. Voilà, une position très spécifique du coureur, avec un étirement du psoas, rotation des épaules, hop là, voilà. Étirement du psoas, la rotation des épaules, et voilà un petit saut pour commencer à potentialiser. Alors, je contrôle bien mon genou devant, bord extérieur, bord externe, et là, l'exercice très particulier que je vous avais dit, je contrôle bien mes deux hanches qui sont au même endroit. Donc là, je ne le fais pas très bien. Étirement encore une fois de l'ischio, mais de façon différente. La contraction du fessier ici. Voilà, il y a beaucoup de choses dans cet exercice. Voilà, avec en plus, hop, ici, la mise en tension du psoas, l'étirement du psoas dans cette position. Voilà, donc il y a quand même des étirements avec les contractions. Et voilà, c'est fini, on peut partir sur le footing. Pour ceux qui ça intéresse, donc du coup, je vais stopper ici. Tac. Et on va pouvoir passer aux questions, je pense. Question un petit peu longue d'Eric, que je te laisse découvrir. Je ne vais pas la... Attendez, alors, juste avant les questions, juste je vous montre ça et après je vais pouvoir répondre aux questions tranquillement.
Tac, partager l'écran. Hop. Donc, Diaporama. Ok, donc désolé pour ce petit coup de pub, mais voilà, c'est mon métier, il faut bien. Donc, moi, ce que je fais, en fait, je suis préparateur physique à côté. Donc, ce que je peux proposer, voilà, c'est avec ma société All About Performance, c'est des check-up L7 Performance. C'est 2 heures d'analyse où, en fait, j'analyse votre au niveau moteur, sensoriel et tissulaire, c'est-à-dire comment vous bougez, comment vous prenez l'information et l'état de vos tissus, c'est-à-dire est-ce qu'il faut quel traitement, est-ce qu'il faudrait faire des traitements dessus. Souvent, je vous propose énormément de solutions au niveau sensoriel, au niveau de choses au niveau moteur, et en autonomie, vous pouvez travailler sur le plan tissulaire ou alors je vous renvoie soit vers mon collègue, soit vers un kiné. Vous repartez avec des solutions sur les 3 aspects, et voilà, ça a un coût de 200 euros hors coût de déplacement éventuel. Autre chose que je vous partage, voilà, c'est que je fais des coachings à distance. Des coachings à distance où, à partir du moment où j'ai vu la personne ou pas, bah, ça dépend de la qualité qu'on veut y mettre. Le pack performance, c'est-à-dire des séances d'entraînement à l'année, c'est-à-dire je vous envoie des séances avec des vidéos explicatives que j'ai fait moi-même. Un warm-up pertinent, c'est-à-dire celui que je vous ai montré, mais pour vous, avec un travail tissulaire, des feedbacks sensoriels, tout le temps, fait pour vous, et avec de la préparation physique. Donc ça peut aller jusqu'à 300 euros sur 6 mois. Voilà. Vous pouvez continuer à vous blesser au même endroit et à ne pas comprendre pourquoi vous ne progressez pas. Ou alors vous me contactez. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le petit coup de pub. Et puis maintenant, je vais... c'est bon, hein. Je vais répondre aux questions. Alors, on a Pierre qui dit « C'est super intéressant. » Voilà, effectivement, ça doit être partagé par un grand nombre d'entre nous. Ensuite, une question donc un petit peu plus détaillée d'Eric. Entre chaque exercice de mobilisation articulaire, donc il insère des exercices de gamme. Est-ce que cela affecte en fait impact sur l'efficacité des exercices que tu as proposés? Oui, parce qu'en fait, tu entre chaque, t'es en train de réapprendre un mouvement, et en fait, tu passes du simple au complexe et tu repasses au simple. Et du coup, ça ne favorise pas l'apprentissage. Commence sur le dos, apprends tranquillement et va de plus en plus vers le complexe, c'est-à-dire vers la gamme de course sur un pied qui rebondit, qui va vite. Voilà, donc on commence tranquille et puis après, on finit à fond la caisse sur les gammes de course et le sprint. Je vous envoie hop, le lien vers le lien YouTube. Hop, voilà, vous pouvez y aller et le copier-coller. N'hésitez pas à diffuser. À partir de quel âge peut-on faire un bilan postural? À partir de la personne, j'ai fait 11 ans le plus tôt. Voilà, c'est très bien 11 ans. Après... Peut-être, pardon, je te coupe, une question qui rejoint, à partir de quel âge peut-on mettre en place ce type d'exercice? Alors là, ce type d'exercice, alors vous... Il faut le mettre de façon intelligente. Je vois qu'il y a Charlie Gozzoli. Il faut le mettre de façon intelligente quand vous vous occupez de tout petit. C'est-à-dire à partir de 4 ans, même avant, ces exercices-là, il les fait, l'enfant. Il les fait quand il est sur le dos. Il fait des exercices sur le dos, il lève une épaule, il lève l'autre, après il rampe, après il marche à 4 pattes et il en fait. Sauf qu'à partir d'un moment, on fout ce gamin sur une chaise 7 heures par semaine. Et là, c'est la merde. Si en plus, il s'assoit sur le canapé 4 heures de plus, alors là, c'est fini. Il faut le refaire marcher à 4 pattes, refaire ramper et tout ça. Donc là, il n'y a pas d'âge. Voilà, il faut y aller super tôt. Le faire de façon pédagogique, voilà, si c'est pour faire les exercices que je vous ai montrés, à vous d'être intelligent. À vous de le faire dans les tapis de hauteur, par exemple, dans le tapis de perche, de les faire marcher à 4 pattes, de les faire rouler dans le tapis de perche, rouler sur le dos, enfin, rouler sur le côté gauche, rouler sur le côté droit, en levant les mains, en levant les pieds.
de les faire ramper à plat ventre, de les faire ramper sur le dos. Donc voilà, c'est à vous de rajouter ça. Après, marcher à quatre pattes, ça on peut le faire sur la pelouse, marcher à quatre pattes dos, quatre pattes ventre, en manipulant un objet. Vous pouvez le faire après en fente, être capable de faire des squats, être capable de faire des sauts de lapin pour faire des squats, être capable de tenir sur un pied. Et ça, en fait, c'est tout ce que je vous ai montré, mais en version un peu plus pédagogique, un peu plus simplifiée pour les gamins, quoi. Voilà. Alors, ensuite, on a une question un peu pragmatique d'organisation. Est-ce que tu fais cet échauffement avant chaque séance avec les Benjamins? Alors, en interrogation. Alors, si oui, oui. Vas-y. Si oui. Et la fin de la question, si oui, arrives-tu à corriger chacun d'entre eux? Alors, je vais commencer pour les grands, pour tout ce qui est minime et plus. Alors minime, je vais prendre mon groupe un petit peu qui est bon, cadet disons. On commence par ça, j'essaye de les corriger, ils sont dissipés, mais je les reprends et ils sont pas parfaits, mais ils savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ils ont compris que c'est bord externe, c'est genou extérieur. Bord externe, genou vers l'extérieur, orteil relevé, ils ont compris, ils ont acquis, on répète tout le temps. De toute façon, on répète au chaque début d'entraînement. Voilà. Et parfois, ils ne sont pas assez concentrés. Ils vont parler sans essayer de contracter leurs fessiers. Donc oui, c'est problématique, mais bon, au moins, ils bougent. Ils font le mouvement, peut-être pas au top, mais je préfère 10 fois faire ça que de leur faire faire un footing de 10 minutes. C'est beaucoup plus riche. Alors, c'est pas parfait, mais je pense que c'est mieux que rien. Pour les Benjamins, je commence par un footing, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en retard. Ça leur permet de se défouler, de se dire bonjour, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, l'aspect social. Et puis après, je commence par ça, et j'aimerais pas le faire. Et là, j'essaie de leur donner des consignes, mais ils sont pas, ils sont plus dans essayer. En fait, je leur donne un critère de réalisation externe, c'est-à-dire regarder le ciel plutôt que serrer vos omoplates. Voilà, je me focalise sur ce qui se passe à l'extérieur, plutôt essayer de toucher le mur, essayer de toucher votre copain de gauche ou de droite avec votre main. C'est plus ça les critères, donc focus externe plutôt que focus interne. Pour les Benjamins. Merci. On a aussi une autre question. Ces exercices avant ou après l'activation des fascias avec rouleau et balle? Avant. Dans l'ordre, d'abord, je crée du tissu sensoriel en premier. Donc, j'avais préparé. Je vous remets ça. La question va me permettre de vous montrer là. Voilà. Vous voyez là le... Oui, c'est bon, vous voyez. Donc, travail sensoriel en premier. Quelle stratégie pour assurer la mobilité? Donc, il y a mon lien YouTube en bas, je vous ai donné. Le travail sensoriel. Donc, je travaille mes capteurs. Vous ne savez pas faire, il n'y a pas de problème. C'est ce que je propose dans les autres formations ou dans mes thérapies. Automassage. Donc, je travaille sur le tissulaire. Je crée des contractés relâchés sur des zones. C'est les adducteurs, c'est l'étirement des adducteurs que j'ai proposé. C'est le seul. Par la suite, mobilisation sans activation. Je tourne les hanches, je tourne les épaules. Voilà, très simple. Et au fur et à mesure, on va vers... Pour faire simple, c'est la progression du bébé. Par la suite, c'est la progression du bébé. Voilà. D'abord, on essaye surtout d'activer d'abord la stabilité. On essaie d'abord de contracter pour après contracter avec de l'amplitude. Voilà, de bien maîtriser pour après rajouter de l'amplitude, de la vitesse et de la force. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je pense, en tout cas, c'était clair. Donc, a priori, on a moins de questions. Alors, pour dire concrètement comment ça se passe à l'entraînement, peut-être que ça semble un petit peu
J'espère que ça ne vous semble pas irréaliste. Déjà parce que ça ne l'est pas. Je ne suis pas seul à fonctionner comme ça. C'est très... alors, dans tout ce qui est foutuesse et tout, ils sont à fond sur ce type d'échauffement. Donc, c'est les athlètes de haut niveau et d'université à Phoenix, Arizona et d'autres universités américaines qui fonctionnent bien en sprint fonctionnent là-dessus, sur ce type d'échauffement. Moi, ce que je fais avec les activations fascia, rouleau et tout ça pour mes athlètes, c'est qu'on commence à 18h00, bon, pas maintenant avec le confinement, malheureusement, avec le couvre-feu, c'est que tous ceux qui arrivent en avance, ils commencent, ils font leurs automassages. Si à 18h00, ben, à 18h00, on commence la mobilisation, le vrai échauffement. Voilà. Avant, c'est les rouleaux. Tu arrives, tu as le temps, tu papotes, tu t'automasses, tu n'as pas besoin de te concentrer. Et puis après 18h00, on se concentre et on part sur les mouvements. C'est le fonctionnement que j'essaie d'instaurer. Voilà. Est-ce que ces activations sont transférables à la position verticale? En fait, on est en train de réapprendre au fur et à mesure. Si on fait tout ce processus sur le dos, sur le ventre, etc., on est en train de redire au corps, on est en train de lui réapprendre à utiliser chacun des étages, chacune des articulations, selon sa fonction. Donc, réapprends-le dans une position la plus simple vers la plus difficile, c'est-à-dire la position verticale, la position debout. Pascal, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Pour le demi-fond, il faut quand même un footing après la mobilité pour avoir du temps d'endurance fondamentale. Alors, oui, j'ai toujours les demi-fondus ont toujours besoin de faire des bornes, Ben, plutôt que de rouler sur le vélo qui est mal réglé, rouler sur le vélo qui est bien réglé. Donc, faites votre échauffement. Et puis après, partez sur votre footing si vous êtes un adepte du footing. Merci Pascal. Profitez. Bien, est-ce que vous avez... J'ai encore quelques questions avant qu'on clôture, mais n'hésitez pas. Ouvrez le micro aussi, hein, si c'est plus simple pour vous de poser la question. Il y avait des questions sur les chaussures tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai expliqué beaucoup de ces choses-là pour ceux qui veulent revoir peut-être un peu plus en détail. J'ai ma chaîne Instagram sur laquelle il y a des podcasts où je reprends certaines notions un peu plus en détail et vous pouvez aller voir ça en scannant le timecode. Donc, vous avez ma chaîne Instagram ici. Voilà. Certaines personnes avaient parlé par rapport aux semelles. Hein. Est-ce que tu avais quelques réponses par rapport à ça ou un avis Oui, alors les semelles, en fait, si vous avez un effondrement de l'arche plantaire, ce qui arrive souvent, alors, je vais prendre un exemple. Admettons, on a un Babinski, un réflexe de Babinski, un réflexe plantaire qui n'est pas inhibé. C'est-à-dire, c'est la même chose, en fait, ce réflexe plantaire, que celui de la main. Vous savez, les bébés, vous leur posez la main, ils ferment la main. Enfin, vous leur stimulez la main, enfin l'intérieur, il ferme la main. Et en fait, il y a la même chose sur le pied. À partir du moment où vous allez avoir un appui au niveau du pied, hop, il va agripper et fermer les orteils. C'est un réflexe. Et là, ça peut être la même chose en fait sur le pied s'il n'a pas été assez inhibé, si le gamin n'a pas assez marché pieds nus, s'il n'a pas assez été stimulé, si vous lui avez mis directement des grosses chaussures qui inhibent la prise d'informations sensorielles, et ben du coup, vous pouvez vous retrouver avec un réflexe de Babinski encore présent. Et ce réflexe de Babinski, il va faire que, à partir du moment où vous posez le bord externe du pied, vous posez le bord externe, et là, hop, vous allez agripper les orteils. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir vraiment avoir cette phase de propulsion. Et là, il y a différentes façons. Vous pouvez... Hop là. Soit, en fait, vous passez vers l'intérieur. Hop là, je vais enlever le truc là, hop, choisir le fond virtuel, aucun. Voilà. Soit en fait, cette personne, alors que le Babinski, en fait, je vous montre, dès que vous êtes stimulé sur le bord extérieur,
Le bébé fait ça. Il se ferme en rotation interne et il agrippe. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va absolument éviter d'avoir ce contact qui l'irrite, qui l'embête, en hop, je décolle le bord externe et je passe à l'intérieur. D'accord ? Et là, on se retrouve avec un effondrement de la voûte plantaire, ou alors quelque chose qui est compensé avec un pied qui est vers l'intérieur comme ça. Donc, il y a différentes façons de compenser ça. En tout cas, ce que ça amène, ça peut amener une tendinopathie du jambier postérieur ici, ça peut amener des entorses internes à répétition, ça peut amener un hallux valgus, voilà, ça peut amener plusieurs choses. Donc, pour revenir sur la semelle, si on a ça, si on voit qu'il y a un effondrement de la fourche plantaire et qu'on est en train d'essayer de mettre une grosse stimulation ici ou une grosse voûte plantaire sous le pied, ben, ça peut vous aider à maintenir l'arche. Ça va vous, vous aurez beau en mettre quelque chose d'énorme, ça va vous soutenir et mettre le pied dans l'axe. Par contre, ça ne va pas enlever le problème. C'est-à-dire que vous aurez toujours ce Babinski et vous n'aurez pas envie d'appuyer à l'extérieur, si c'est ça la problématique. Donc, en fonction de votre problème, ben, une semelle peut être bien, une semelle peut ne pas être bien. En tout cas, une semelle est née sans semelle. Donc, l'idée, ben, c'est de s'en passer. C'est d'être capable, en fait, de vivre sans porter de semelle. Quoi. Donc, désolé pour les podologues. Mais j'en ai déjà parlé à un podologue, il est bien d'accord avec moi. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est comprendre la base du problème, et si la base du problème est sensorielle, c'est-à-dire s'il y a un réflexe archaïque encore, ben ça va pas mettre une semelle ne va pas résoudre le problème. Il va falloir recréer de la stimulation. Parfois le problème se trouve sur le fait qu'on a un fessier qui est inactivé aussi. Voilà. Et si on a beau mettre une voûte plantaire, si le fessier est inactivé, qu'on stabilise. Et qu'on stabilise le pied, on va peut-être se retrouver avec une perte avec le genou bien compensé. Donc voilà, il faut retrouver la fonction primaire et retrouver être capable de fonctionner sans semelle pour moi. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu aux problématiques de semelle. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... De circuits de mobilité individualisés relatifs à un déséquilibre postural en plus du circuit général. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire, est-ce que en plus de faire mon échauffement, derrière, je propose un circuit général? Ben oui, ça s'appelle la musculation. C'est la musculation faite différemment. Non, alors ce que je pense, si en fait là on a un groupe et on identifie pour chaque individu des déficits posturaux qui peuvent être réglés soit par de la proprio, soit par du renforcement, soit par de la souplesse, où on arrive à identifier ce qu'il doit faire, c'est de l'intégrer dans l'échauffement, où il y aurait une partie qui serait faite individuelle. Moi ce que j'arrive pas encore, c'est cette individualisation collective. Ou dans cet échauffement global, ben, il y a 5-10 minutes où l'athlète travaille sur son déficit propre. Je pense que là, il ne faut pas que vous essayiez en fait, de rentrer dans quelque chose d'individualisé. Ça va être dur à identifier et tu peux te tromper dans l'individualisation assez rapidement. Par contre, dans la course à pied, ce qu'on peut faire, c'est tirer sur les éléphants, c'est-à-dire sur les plus grosses choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est-à-dire arriver à créer un circuit où tu fasses attention à créer de la stabilité sur le pied, c'est-à-dire bord externe en taille relevée, créer de la stabilité sur le genou, de la muscu sur le genou, en faisant attention à ne pas avoir ce valgus, vous savez, le genou qui rentre, faire attention à... Enfin, les fessiers, faut qu'ils en prennent dans tous les sens, sur de l'adduction, sur de l'extension de hanche, sur de l'unipodale. Les fessiers ont tellement de rôles. Il faut, pour la course à pied, il faut qu'ils sachent tout faire et bien. Il faut que ce soit eux qui le fassent. Voilà. Derrière, être capable de stabiliser les omoplates. Et en fait, en faisant ça, pieds, genoux, fessiers,
scapula, pieds, genoux, fessiers, scapula. Tu te retrouves avec quatre exercices fondamentaux. Voilà, tu essaies de choisir quatre exercices qui ciblent ces choses-là. Et là, tu tires sur les éléphants, c'est-à-dire tu tires sur les choses les plus importantes dans la course à pied. Ça va, Eric ? Eric, c'est super, ouais, très, très bonne réponse. Bon, ok. Bon, bah, nous allons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, David, pour cet éclairage et justement donner du sens à peut-être des routines qu'on fait et où on n'avait pas forcément toutes les explications que tu nous as apportées. Donc, merci beaucoup. C'était très accessible et très pratique. J'espère que vous avez pu, de votre côté, prendre des notes et puis que... il faut tout de suite, je dirais, il faut tout de suite refaire. Il faut tout de suite, même si vous n'êtes pas complètement, vous ne maîtrisez pas complètement, pratiquez, remettez tout de suite en action. Vas-y. Excuse-moi, avant que tout le monde parte, parce que je vois que les gens commencent à partir, est-ce que vous pouvez mettre une note sur 10 sur l'accessibilité de ce que j'ai fait dans le chat ? C'est-à-dire 10, très accessible, 0, vous n'avez rien compris, ce n'était pas accessible du tout. Voilà. Juste pour voir de 0 à 10 l'accessibilité. Hein. Voilà, je vous remercie. Ouais. J'irai pas plus loin, hein. Simplement merci à tous. Réinvestissez rapidement donc, ces informations. Et merci. Puis, je vous ouvre sur le prochain webinaire qui aura lieu le 31 mars, puisque nous sommes en mars, donc sur les jeunes et la pratique de la course en nature. Voilà, c'est pas le, on pourrait dire le trail, mais pour les jeunes, on va parler de course de nature. Donc, je vous enverrai les informations. Je ne voulais pas tout mélanger. Donc, certains d'entre vous sont sûrement encore intéressés. Et avec David, on reprogrammera une suite, donc comme on en a discuté, sur un thème qui vous sera proposé. Soyez curieux. Si vous ne recevez pas forcément l'information, elle est toujours sur le site de la Ligue. Donc, vous tapez Ligue PACA d'athlétisme et puis vous tombez sur les informations, sur ces formations et ces webinaires. Voilà, donc, bonne soirée à tout le monde. Peut-être un petit mot de la fin, David. Prenez soin de bien faire ce que vous voulez et de bien vouloir ce que vous faites. Merci, voilà. Et merci à tous ceux qui étaient présents. Hein. Il y avait un bon mélange de genres entre des anciens piliers comme Charlie, comme Michel Masseglia, comme Sébastien, qui sont depuis longtemps dans la boucle. Et puis Yves Brenier, voilà, je balaye un petit peu les participants. Et puis des personnes qui se sont ouvertes, hein. Je pense notamment aux runners qui ne sont pas forcément les premiers au départ intéressés par ça. Merci d'avoir eu cette curiosité et mettez aussi en pratique parce que vous allez voir aussi des effets positifs sur vos athlètes. Et en même temps, c'est ludique, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, je vais clôturer l'enregistrement et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite. Merci, ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci Laurence, merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.